Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je vais vous montrer ma journée entière de A à Z, que ce soit mon alimentation, mon entraînement et on va dire mon travail, qu'est-ce que je fais la journée pour m'occuper. En sachant qu'en ce moment j'ai énormément de travail à faire entre les vidéos, les cours et j'en passe. Donc c'est un truc de fou. J'ai même en ce moment, je suis en train de passer le permis de conduire. Je vous dis, jure, c'est... Genre je suis vite débordé, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai le temps de faire des vidéos, c'est l'essentiel. Et d'ailleurs je voulais vous parler d'un petit sujet parce que c'est Noël. Et vous voyez, quand sur Instagram je vous disais souvent que j'avais un problème avec mon téléphone pour faire des stories. La qualité était très mauvaise parce que mon téléphone en fait il est vraiment pété en trois. La caméra elle marche plus. Et ben j'ai décidé d'investir dans un nouveau téléphone. Alors franchement j'hésite entre un iPhone X et le nouvel iPhone SE. Vous allez me dire ça n'a rien à voir. Je suis d'accord que ça n'a rien à voir, c'est deux tailles différentes, mais les deux me plaisent, donc j'hésite vraiment. N'hésitez pas à me conseiller dans les commentaires parce que je ne sais pas lequel est le mieux. En tout cas, ça serait vraiment l'opportunité de vous faire des stories de qualité sur Instagram. Franchement, d'ici 2-3 semaines, j'ai le nouvel iPhone, je suis trop content. Et en attendant, je finis celui-ci parce qu'il marche encore, hein, faut pas croire, hein, y a juste la batterie qui tient plus, mais sinon il marche bien. Voilà, voilà, donc ça c'est dit. Donc là ce qu'on va faire, je vais bosser un peu avant d'aller m'entraîner. Aujourd'hui on va faire une séance push. Et je vous jure, aujourd'hui je vais me déchaîner. On est samedi, je suis bien physiquement, j'ai pas trop mangé, je suis parfait. Je suis pas ballonné, je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. Du coup aujourd'hui il n'y a aucune raison que la séance soit de mauvaise qualité, on va faire une super séance. J'espère que ça va vous plaire ce vlog et on se dit à tout de suite. Voilà, la séance est désormais terminée. Donc c'était une séance assez intense. Donc j'ai fait une séance push. Et là je reviens en vélo. Donc là je suis à contresens. Donc je vais essayer de bien regarder devant moi. Sinon je vais me prendre une voiture de face. Et je vais essayer de vous parler. Donc là, la séance était assez intense. Du coup là ce que je vais faire, je vais rentrer chez moi. Je vais aller manger parce qu'actuellement il est midi. Donc je sais pas exactement quelle heure est-il, mais je pense qu'il est midi. Donc je vais aller manger. Je sais pas encore quoi faire à manger. En tout cas je peux vous dire que je suis capable. Actuellement j'ai vraiment, je sens plus mes bras, mes becs, je sens plus rien du tout. J'arrive toujours à pédaler, c'est l'essentiel. On se dit à tout de suite en tout cas pour bouffer. Voilà, la séance est terminée. Ne voilà la maison, tranquillement, plein de courbatures.
Et voilà le repas du midi, repas royal, donc super, on va dire super pour la santé. Donc ça s'appelle un Buddha Bowl ou Super Bowl, ça dépend vraiment. En tout cas, qu'est-ce que c'est? Donc il y a vraiment plein d'aliments. Donc il y a des tomates, des œufs, du saumon, du quinoa, du citron, des carottes râpées. Donc c'est vraiment riche, riche en légumes. Alors là, j'ai mangé, j'ai fait ma séance, je suis content. Maintenant, je vais bosser toute l'après-midi parce que j'ai des contrôles à préparer, j'ai du travail à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Et je vais vous montrer, vous partager un peu on va dire, mes révisions. Parce qu'il faut savoir qu'en ce moment, les profs se lâchent niveau contrôle. Je n'ai plus beaucoup le temps de faire les projets que j'avais. Mais enfin, j'ai plus beaucoup le temps, mais j'arrive toujours à gérer un peu tout. Je vous expliquerai tout en fin de vidéo, c'est pour ça restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un peu mes révisions en attendant, vous montrer pour motiver les étudiants qui me regardent, les gens qui travaillent, pour vous montrer que faire du sport et travailler, c'est largement possible. On se dit à tout de suite. Un peu ce que je fais. Alors, il faut savoir que là, donc cette semaine, donc c'est la dernière semaine avant les vacances de Noël, donc les profs forcément se lâchent et envoient plein de contrôles. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Je pense que les profs adorent la dernière semaine avant les vacances. Et là, ce que je fais actuellement, c'est que je révise des cours de prospection. Alors, la prospection, c'est en fait une matière que j'ai, parce qu'il faut savoir que moi je suis en BTS commerce international, donc il y a beaucoup de matière en relation avec tout ce qui est prospection, suivi de clientèle, etc. La caméra a coupé, je m'excuse. En vrai, donc je disais que donc j'ai beaucoup de matière en rapport avec les donc, matières commerciales. Donc là, je suis en train de réviser parce qu'il y a beaucoup de contrôles qui arrivent. Il faut connaître un bouquin qui est, je vais vous montrer, il est grand comme ça. Voilà. Alors, attendez, voilà. Ça fait un bouquin de. D'à peu près, il fait presque 500 pages. Voilà. Bon, il faut pas réviser tout, mais c'est ce qu'il faut savoir pour les examens finaux. Et en sachant que j'ai deux bouquins comme ça. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de boulot à faire. Mais honnêtement, j'arrive à gérer les études, le sport, les autres projets à côté, la chaîne YouTube. Donc, c'est l'essentiel. Donc, là, on va se dire à tout de suite, je vais un peu vous expliquer justement comment j'arrive à gérer les deux. Et si ça vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. On se dit à tout de suite. Tchuss! Nous revoilà après donc la vidéo, après la journée intense. Donc là, on va discuter. Je veux vraiment que toutes les personnes qui regardent la vidéo restent jusqu'à la fin. J'ai envie de vous dire des trucs très importants sur l'avenir de cette chaîne. C'est très, très important. Et là, je vais vite fait vous parler quand même de comment j'arrive à gérer les études et le sport. Faut savoir que là, donc là je suis vraiment courbaturé de fou. Je congestionne et j'ai l'impression que je reprends petit à petit mes résultats là. Alors regardez, vous voyez que la petite veine du bibi, elle commence à pousser. C'est bon signe tout ça. Ouais, il faut savoir que j'avais fait un petit break, là j'ai repris, je suis à fond. En tout cas, pour vous dire que j'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo un peu spéciale, donc c'était un vlog, mais j'ai envie quand même de vous apporter une valeur spéciale dans ce vlog. J'ai envie de vous parler de mes études et de ma gestion du sport, du street workout, comment je fais pour m'entraîner, j'arrive surtout à avoir le temps de faire les deux. Alors premièrement, il faut savoir quelque chose, c'est que j'ai commencé cette chaîne presque en même temps que j'ai commencé mes études supérieures. Faut savoir que moi, je fais actuellement un BTS en commerce international. Donc, BTS en commerce international, ça, c'est comment? Ça nous permet d'être des dieux de l'import-export, de maîtriser tout ce qui est import-export de marchandises, de produits. C'est des études qui sont très intéressantes, qui demandent pas mal de boulot. Pas autant qu'une année de médecine, mais ça a quand même pas mal de boulot. Après, je vais pas me plaindre. Mais lorsqu'on va avoir des projets à côté, c'est vrai que ça peut commencer à être délicat de faire le YouTube, de faire d'autres projets, de faire par exemple. Peu importe, mais faire le sport, le street workout, les cours, c'est quelque chose qui nécessite quand même une certaine organisation. Et là, je vais vite fait vous parler de ça. Je ne vais pas trop m'attarder parce que le but, ce n'est pas de vous endormir, c'est vraiment de vous apporter de la valeur. Et il faut savoir donc moi, comment j'ai réussi à gérer le sport, le street workout et les études. Tout simplement, j'ai marché en objectif et en récompense. Il faut savoir que le street workout, c'est quelque chose que j'aime faire, ça me plaît. Même si je souffre pendant l'entraînement, j'aime bien, je prends du plaisir.
et le meilleur moment, c'est après l'entraînement. Et moi, pour toujours avoir une motivation à faire du sport, j'ai toujours pris le sport pour une récompense. Je fais du sport à condition que j'ai fait cette tâche, que j'ai fait ça. Donc lorsque je fais mes études et que je révise mes cours, par exemple, que j'ai un contrôle qui est prévu pour la semaine d'après, ce que je fais, c'est OK. Donc, mon objectif, c'est d'abord, je révise mon contrôle. Et la récompense, c'est qu'après, je m'offre une putain de séance de sport. Et grâce à cette mentalité, en fait, vous allez, comment dire, être productif lorsque vous allez travailler. Vous allez vraiment donner le meilleur de vous-même. Et après, vous allez aller faire votre séance de sport. Vous allez, après, comme ça, vous allez être à fond pendant votre séance. Et le plus important, c'est que pendant la séance, vous allez avoir le, comment dire, vous allez être l'esprit libre. Parce que si vous faites le sport avant de faire toutes les tâches que vous avez, vous allez faire du sport de façon, vous allez vous dire lorsque vous faites du sport, ouais mais là j'ai plein de choses à faire après, ça me démotive, je suis pas content. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de mettre le sport après les études, après les tâches principales. Et une fois qu'on a réalisé ces tâches, on s'offre une séance de sport. Voilà, c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est grâce à ce système que j'ai réussi à créer une habitude de « je travaille ». Et en récompense, je fais ma séance de street workout. Voilà comment j'ai réussi à gérer les études et le sport. C'est bon, faut savoir que si vous êtes productif lorsque vous travaillez, ça va demander moins de temps et forcément vous allez avoir plus de temps pour faire des choses à côté. Et pour être productif, il faut être motivé. Pour être motivé, il faut avoir un objectif, une récompense. Et la récompense, c'est le street workout. Voilà. Donc c'est comme ça que j'arrive à gérer un peu les études et le sport. C'est une façon de voir les choses un peu spéciale. Si vous n'avez pas compris, peut-être je me suis mal exprimé. En tout cas, j'espère que c'est clair. Faut savoir que là, la chaîne YouTube, je suis actuellement à 700, je crois, 26 abonnés. Ouais, 726 abonnés. Franchement, je suis assez content. Et j'ai décidé, en fait, ça fait un long moment que j'ai réfléchi. Cette chaîne, elle tourne beaucoup autour du street workout. Et j'aimerais bien parler un peu plus de productivité et à la fois street workout, c'est-à-dire mêler études, sport, vraiment faire des sujets un peu plus, on va dire, plus général, mais qui me permettrait, moi, à être plus, on va dire, prendre plus de plaisir à faire des vidéos. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que la productivité, c'est quelque chose que j'adore et que je suis passionné. Donc, si vous voulez que je fasse des vidéos de productivité et de sport à la fois, franchement, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc, la semaine prochaine, je vais faire justement une vidéo qui va se rapprocher de ce sujet. Attention, il y aura toujours du street workout, c'est la règle absolue. Mais la semaine prochaine, j'ai décidé de faire une vidéo assez, on va dire, assez sympa. Ça va me prendre du temps à la faire, mais franchement, je vais prendre du plaisir à la faire. Donc restez connectés, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, où je préviens des prochaines vidéos. Là, récemment, j'ai fait un sondage, donc j'essaye d'interagir le plus possible, même si, encore une fois, ça me demande du temps et je n'ai pas forcément du temps à l'infini. Mais j'essaye de faire des efforts sur ce point. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour la vidéo assez spéciale. Tchuss !